www.casarima.fr. www.casarema.fr. Très chers amis de la www.casarema.fr, nous sommes très ravis de vous avoir encore dans cet après-midi pour vous parler autour de la Bible dans votre émission que vous aimez, le fan de Jésus. Moi, j'ai dit que nous sommes fans de Christ parce qu'il est le seul qui a porté notre fardeau sur la croix. Il nous a sauvés, nous a rachetés pour lui et nous témoignons de lui sa gloire. Nous témoignons sa puissance pour que le monde s'étonne et le glorifie au travers de nos vies. Et exclusivement pour vous, c'est une journée spéciale. Nous recevons un homme de Dieu qui nous vient de très loin. C'est le pasteur Paulin Moussadila. Et c'est avec lui que nous allons partager cet après-midi. On va partager un thème qui est très important. Des fois qui suscite de grands troubles et de grandes discussions au milieu des enfants de Dieu. C'est ce thème que nous intitulons « L'Église aujourd'hui est-elle un business ?» ou un temple de Dieu réellement, c'est avec lui que nous allons parler, débattre autour de ces thèmes. Soyez connectés à la www.casarema.fr, c'est la number one de site chrétien, la number one de chaîne chrétienne. Sur ce, nous vous proposons un spot publicitaire avec la technique. Confirmation. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait. Ce qui se fera. Allô, maman Liz. Oui, Yannick. Oui, maman Liz. Bonjour. Nous avons un grand bassin, on a qui n'est pas à Rema TV et comme il dit, on va. Et ça est solo. L'application Casarima? Oui. Bon, Yabi Sanga, tu reçois la bonne pour tout soir mon abatchombo. Tu peux télécharger ça sur Google Play Store ou sinon pour les iPhones sur App Store. Ah, mais tu n'as point de quoi un monde mobile, maman la tienne. La chombo bamba batali Casarima TV. Oui, tu peux télécharger ça sur Google Play Store. Ah bon? Mais c'est que Satan a qu'un souli félo et wapido. Satan a qu'un félo. Maman, il s'en va. On pense à moi, quoi, tu crois, maman, mon bimba. Oh, gros boy, a qu'un félo. Satan, maman, a juste zéro. Quand ça rentre à la radio, quand ça rentre à la TV, quand ça rentre à l'internet, quand ça rentre à la connaissance, quand ça rentre à la chambre. Ah, demain, on a dit, Satan, maman, mais la poisson à couper. On dit félo, mais il y a un billet. T'as écouté, maman. À Casarima, tu sais pas qu'on a déjà une application sur Google Play Store? Hey, maman, y a quoi, tu quoi? La carte, tu crois? Y a chombo, je suis. Bah, tu vois, nous, la dame, on a qui a vu faire nous. Car la chombo. Ah, tu vois, maman, mon qui m'a dit, mon bon, il Casarima. Et bon, moi, si mon qui m'a dit, mon thème, moi, t'as dit, dans la moi, là, comment elle est débile. Il était bon quand il était jeune. Quand il est gagné, à comment il est. On a besoin de tout bon, il s'en fait tout bon. Casarima, la fille. Thank you.
sur ces plateaux et déjà je sais que tout le monde est vraiment attentif pour connaître notre invité et nous allons le connaître maintenant là. Bonjour pasteur. Bonjour madame, merci. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux des Casarema. Merci, c'est aussi de ma part, je suis vraiment très content. Et le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre, si vous pouvez les saluer. Bon, je salue tous les chrétiens du monde entier, tous les chrétiens qui nous suivent à ces moments. Mm-hmm. J'ai toujours dit, c'est votre humble serviteur, esclave de Jésus-Christ, dont la dame vient de parler, c'est le pasteur Paulin Moussadi là. Aujourd'hui, nous sommes venus rien que pour parler, pour mettre marteler en paix sur le point de l'église, est-elle business ou un temple de Dieu. Mm-hmm. Donc, c'est ça, madame. Merci, merci. Et je crois que ce thème a plu à Claudia Bernardo, il a plu à Levier Zangouille, il a plu à Flambob en Belgique. Merci à vous, très chers fidèles, d'être connectés à nous. Nous, pasteur, dites-nous un peu, pourquoi l'église? Donnez-nous d'abord une historique sur l'église. C'est quoi l'église? Et pourquoi l'église? C'est si l'église, le but de l'église, la mission de l'église. Au fait, c'est quoi l'église? Ok, merci. L'église, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Mm-hmm. L'église, c'est là où les gens viennent pour écouter et mettre en application toutes les lois saintes. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ nous a donné l'église. Mm-hmm. Il a donné ça à l'instar de Paul, bien entendu. Il a dit à Pierre, c'est toi qui seras le patron de l'église. Mm-hmm. C'est toi qui seras le responsable de l'église. Mm-hmm. Alors, Pierre lui-même, il ne pourrait pas faire tout seul. Mm-hmm. Il était question qu'il rétrocède cette entité, bien entendu, à tout le serviteur de Dieu. Mm-hmm. Donc, l'église, en un mot, c'est là où on vient, on prend de la part du Seigneur, on sanctifie au jour le jour, mm-hmm. On donne le sens, on donne toute notre vie à la personne de Jésus-Christ. C'est là où on donne le sens à l'Église. C'est ça, bref, une définition de l'Église. Et maintenant, quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église est là pour prendre les âmes, donc d'enlever les âmes de la perdition à la vie éternelle. C'est ça, la mission d'une Église. C'est l'Église d'hier ou bien c'est l'Église d'aujourd'hui que nous parlons? Parce que, je ne sais pas, parce que l'Église d'aujourd'hui, elle est là vraiment, elle marche, elle entreprend des démarches pour rechercher les âmes perdues et les amener à Christ. Est-ce que cette démarche s'est faite réellement? Je dirais, il n'y a pas l'église d'hier ni l'église d'aujourd'hui. Mm-hmm. Puisque Jésus-Christ n'a jamais été au temps passé. Jésus-Christ a toujours été au temps présent. Mm-hmm. Donc l'église est présente. Mm-hmm. Donc l'église est aujourd'hui. Oui. Puisque quand on parle de l'église, on voit toujours le temps présent. Oui. Donc on parle de l'église d'aujourd'hui, pas l'église d'hier, pas l'église du passé. L'église d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de parler de l'église présente. En fait, quand je fais une nuance pour dire que l'église du passé, je vois la naissance de l'église, l'église primitive avec les apôtres. En fait, la vie chrétienne, en fait, la vie spirituelle était autre. Et aujourd'hui, nous vivons des réalités un peu contraires à celles de l'église primitive. C'est comme ça que je dis que l'église du passé paraît-elle meilleure que celle-ci. Et pourquoi? Je dirais non, madame. Mm-hmm. Il y a toujours la continuité de l'église. C'est la continuité de l'église. Mm-hmm. Il n'y a pas une église d'antan et l'église nouvelle. Mais c'est non. L'origine. Donc, je dirais, mm-hmm. si vous voyez un changement au sein de l'église, dites que non. Il y a, celui qui a reçu le message ou la vision, il a dévié l'église. Puisque le Jésus qui travaillait avec les apôtres, c'est le même Jésus, même le Saint-Esprit, c'est le même. Mm-hmm. Il n'y a pas un changement. Donc, quand vous voyez dans une église, il y a un changement, dites au moins, il y a une déviation. Dans l'église est la même. Mais non, qu'est-ce qui fait qu'une église soit traitée de business? Merci madame, c'est vraiment une question épineuse. Donc j'ai de larmes aux yeux. L'église business. Je crois notre thème dont nous avons parlé ici, l'église est-elle business ou le temple de Dieu? Mm-hmm. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons scinder ça en deux parties. La partie business et la partie temple de Dieu. Commençons par le business. Non, commençons par business. Qu'est-ce qu'un business? Quand on parle de business, on sous-entend, il y a un bénéfice lucratif. Quand on parle d'un bénéfice lucratif, on sous-entend, il y a un bénéfice de monnaie, il y a l'argent. C'est ce qu'on appelle le bénéfice lucratif. Aujourd'hui, le business est entré dans l'église de Dieu. Personne n'a jamais voulu travailler dans la perte. Quand quelqu'un fait ses affaires à lui, le business est en anglais. En français, c'est les affaires. Ouais. Quand quelqu'un fait ses affaires, mm-hmm. il n'a pas l'intention qu'elle travaille ou qu'il travaille dans la perte. Mm-hmm. Il va toujours chercher à ce que son commerce puisse aller de l'avant. Wow. Donc, quand
quelqu'un est dans le commerce, d'office, il n'est pas dans l'église. Aujourd'hui, quand on parle du business, on suppose que non, il y a une marché, disons, il y a un marché plutôt qui est entré dans l'église dédiée. C'est ce que nous ne voulons pas de ces marchés-là de business. Donc, quel type de marché? Le marché des thématiques. Il y a des pasteurs qui vendent les thèmes. Il y a des pasteurs qui vendent beaucoup d'histoires. Ces choses-là font assez que nous disons que maintenant, il y a un business au sein de l'église, madame. Pasteur, je ne sais pas, mais le fait que vous appuyez avec une forte conviction que l'église aujourd'hui et ressemble à un marché, moi je crois que vous devez me donner des preuves. Merci madame. Qui me certifie réellement aujourd'hui que les hommes de Dieu sont en train de vendre. Au fait, moi je crois que peut-être il y a une guerre de philosophie entre vous-même les hommes de Dieu. Et cette guerre d'idées fait que vous nous déviez de la vraie volonté du Seigneur. Merci madame pour cette question. Je répondrai. Oui. Pour vous montrer, démontrer davantage, noir sur blanc, le business au sein de l'église. Aujourd'hui, vous allez dans une église, je ne vais pas faire la citation d'une église. Ouais. Puisque j'ai l'éthique pastorale, la déontologie pastorale, je ne vais pas faire la citation d'un pasteur à une autre. Car beaucoup de gens diront qui t'a mis la sentinelle pour nous contrôler. Ouais. Donc, je te donne un exemple. Quand vous allez dans une église où il y a le prophète, pour que tu consultes ce prophète-là, il y a un droit qu'on donne, un droit de consultation prophétique. Dites-moi, fuyez de Genèse en Apocalypse, où est-ce que Jésus a dit avant de me consulter, venez avec l'argent? Ça, de premier business. Donc, ils sont en train d'enteler systématiquement le peuple de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il est venu auprès de toi pour qu'il y ait une solution. Tu lui dis, avant que tu me voies, il est question que tu me donnes un sou. Ça, c'est le premier business, madame. Please, pasteur. Quand vous dites ça, un droit ou une consultation prophétique, moi j'appuie. Excusez-moi, je ne suis pas de ceux-là qui veulent que l'église soit un business, non. Mais j'appuie comment? Je vois le serviteur de Saoul, lorsque Saoul a été envoyé par son père pour aller chercher les ânes, et ils ont fait 3 jours, ils ne voyaient toujours pas, ils ne les retrouvaient toujours pas. Le serviteur qui dit à son maître, qui dit à Saoul, moi je connais un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est un voyant. Lorsque nous irons vers lui, il pourra nous donner la solution. Mais sauf que nous ne pourrons pas nous présenter devant un serviteur de Dieu, le main vide. C'est la preuve à suffisance qu'il y avait un droit fixé. Bon, faites même pas un droit lucratif comme ça, mais du moins quelque chose de considération à l'égard de l'homme de Dieu lorsqu'un homme s'approche devant lui, il devait apporter quelque chose. Merci madame. Vous avez dit, vous êtes allé de litanie à litanie, mais vous êtes venu en arrière pour chuter, de dire que on donne une offrande de considération à l'homme de Dieu. Oui. Là, c'est que je vais. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas une monnaie, il n'y a pas une caution qu'une personne viendra pour rencontrer l'homme de Dieu. Tu as dit bien, madame. Quand quelqu'un est venu, après avoir consulté Dieu à son prophète, à son serviteur, si la personne de l'Uber de son choix, il peut te donner. Ce n'est pas une caution, ce n'est pas demandé. Donc, toi, tu ne mettras pas le tarif. Écoutez, avant de venir chez moi, mon Dieu, tu vas me donner. D'ailleurs, ils ne disent pas le nom de Jésus, ils ne disent pas le nom de Dieu. Ils disent, avant de venir me consulter, c'était qui remplace évidemment Dieu. Avant de venir me consulter, moi qui parle, moi qui suis le responsable de l'église, moi qui suis le patron de l'église. Vous voyez que nous, il y a une nuance. Vous avez bien parlé. Donc, on peut donner une offrande quand quelqu'un a délibéré de son choix. Quand quelqu'un dit non, on ne veut pas, comme tu as bien dit, dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, on ne se présente pas mais brédit devant l'Éternel. Mais quand quelqu'un délibère, mais quand quelqu'un n'a pas l'argent. Maintenant, toi, tu as mis un tarifaire. Est-ce tu es pour servir Dieu? Est-ce que tu es esclave de Jésus? Ou bien tu es esclave de ton ventre? C'est ça que je parle, le business au sein de l'église, madame. Pasteur, oui, madame. Il y a une chose, quand vous dites que ouais, business, affaires, et ceci, là. Mais il y a une chose, c'est que aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui veulent imposer un tarif, non. Mais il y a de réalité à l'égard des fidèles, bien de certaines attitudes chez des fidèles qui dévient les hommes de Dieu. Comment? En fait, ici même à Casarema, on a reçu un pasteur qui nous venait de très loin, dans un milieu urbano-rural.
Et ce pasteur dit, non, les gens croient que chez nous, là-bas, il n'y a pas d'onction. Mais lorsqu'ils vont ailleurs, ils vont en ville, ils rencontrent des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à leur donner la vraie réponse qu'ils recherchent, ils reviennent à nous. Et lorsqu'ils reviennent, ils ont la réponse de Dieu. Ils disent tic au tac. Et ces gens, comme ils n'ont pas d'argent, ils disent merci au Seigneur. Merci, pasteur. Nzamba Pamula, Okaka, Jun, Rosambo, Nokoya. Mais le pasteur n'a rien demandé. C'est un homme de Dieu. Il se réserve. Mais ce qui est grave, lorsque le fidèle sera béni, il ira voir le pasteur qui a envie parce qu'il a des instruments. Et c'est comme ça les hommes de Dieu disent, non, on ne peut pas travailler en vain. Bon, là, nous fixons un tarif. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Non, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. La Bible me dit, vous avez reçu gratuitement, donnez les gens gratuitement. Oui, ils l'ont donné gratuitement. Donc, oui, nous ne venons pas pour le ventre, madame. Mm-hmm. Primo, nous servons Dieu pour le royaume. Mmh. La Bible dit, Matthieu chapitre 6, verset 33, ouais. Cherchons premièrement le royaume et la justice de l'éternel. Yeah. Le royaume et la justice de l'éternel n'est pas dans le bien matériel. Ce ne sont pas de bien matériel. Mmh. Le bien matériel resteront, évidemment. Mmh. Ce qui nous importe beaucoup plus, quand tu as donné, j'ai bien précisé, quand tu as fait la prière à une personne, il dit non, cette personne a dit non, écoutez, en tout cas je suis reconnaissant. Mais l'irréconnaissance n'est pas d'aujourd'hui. Quand Jésus avait prié pour ceux qui étaient dits lépreux là, combien ils étaient retournés? Il n'y avait qu'une seule personne qui était retournée pour dire merci au Seigneur. Donc l'irréconnaissance n'est pas d'aujourd'hui. Alors, cette irréconnaissance ne fera pas en sorte que nous puissions nous reculer, nous puissions mettre un tarif. Non, moi je dirais non, je ne partage pas. Puisque nous avons réussi gratuitement, donnez-les-en gratuitement. Bon, vous allez continuer à donner gratuitement, et puis vous retrouvez pauvre. Vous allez mourir comme le fils de prophète que Élisée a guéri la femme qui a fait le miracle de l'huile. Madame, ouais. Si lui-même, mon Jésus, décide que mon Dieu que j'aime bien, ouais. Il m'a rien demandé, donne-moi en contrepartie tout ce que tu as fait là, donne-moi le salaire. Il m'a rien demandé. Combien plus forte raison, moi qui suis l'esclave du Christ, que je viens dire, non, écoutez madame, écoutez papa, donne-moi un litre. Je ne dirai pas. Moi, je crois que vous ne priez pas en vain, parce que vous avez aussi besoin de la bénédiction financière. Ce n'est pas un but premier, mais du moins, ce n'est pas que vous les recherchez d'avance, non. Mais c'est quelque chose qui vous suit par-dessus. Mais lorsqu'elle vous suit, ce n'est pas que vous fixiez. Mais du moins, c'est une gratitude qui doit découler de vos fidèles. Et parce que aussi, vous avez mal enseigné peut-être. C'est comme ça, les fidèles aussi, ils sont déviés. Madame, je crois ceci. Nous sommes toujours dans Matthieu 6, 33. Christ a dit, cherchons premièrement le royaume. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Oui. Mais les bénédictions dont nous parlons ici, ce sont des bonus. Oui. Quand je fixe mon regard vers le Seigneur il saura que non, celui-là a besoin d'une voiture, celui-là a besoin d'une maison, celui-là a besoin d'un pantalon, d'une chemise. Pourquoi m'en soucier de ce qui reste et de perdre la vie éternelle, madame? Je ne peux pas borner au business. Puis, quand Dieu m'a appelé, je vais te donner un exemple. Ouais. Donc, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Dieu cherche une personne pour que cette personne-là soit à la brèche. Ouais. Quand Dieu voit la personne, il appelle la personne. Quand la personne est venue, il lui donne la vision. Quand Dieu donne la vision, après viendra l'état de la provision, évidemment. Donc, comment voulez-vous, le Seigneur qui t'a appelé, après quoi, il te dit non? Et va travailler comme ça. Je dirais non. Même une personne mondaine, physique comme ça, même toi, permettez que je puisse vous tutoyer. Même toi tel que tu es là. Quand tu me donnes un service, est-ce, étant animé du Saint-Esprit, tu ne peux pas me donner un transport? Bien sûr. Tu vas me donner le transport. Et toi, un humain, toi, une personne physique comme moi, quand tu penses à moi, combien plus forte raison, quand je sers mon Dieu, avec toute véracité, avec toute honnêteté, avec toute probité, croyez-vous que le Seigneur me laissera comme ça? Moi, je dirais non. Donc, bref, on n'a pas une caution à demander aux enfants de Dieu. Si néanmoins, la personne s'est ressaisie, il a dit que non, celui-là, il a travaillé pour que celle-ci ait sens, une forme à moi, je lui donne quelque chose, tant mieux. Tant mieux, a dit le pasteur. Je ne sais pas si ça grâce aux hommes de Dieu, mais du moins, on va les découvrir. Pasteur, poursuivons. Et quand vous dites c'est un business, moi, je veux que vous nous donniez un peu une nuance. C'est quoi la dignité de l'Église? C'est quoi le temple de Dieu? La dignité de l'Église est-elle liée à sa sanctification, à son apogée, à ses œuvres,
À quoi est-elle liée la dignité de l'Église? Et qu'est-ce qu'il faut qu'une Église soit réellement un temple du Seigneur? Je crois, nous sommes en train de partir vite, parce qu'on n'a pas encore terminé le business. Bon, d'accord. Poursuivez. Ok, je disais tantôt là, un pasteur vient avec une huile. Une huile, il vient dans une boutique. L'usage de l'onction. Donc, il s'est dans une boutique avec une petite bouteille. Mm-hmm. Il dit, c'est une huile d'onction. Ouais. Il met un montant, mm-hmm. vous achetez ça à 5 dollars. Mm-hmm. C'est un business. Mm-hmm. C'est un business. Ouais. Et puis, un autre pasteur dira, non, écoutez, je vois comme la manière dont le pays est en train de parcourir. Mm-hmm. Il est question que nous mettions un tel thème, puisque quand on met ce thème-là, il y aura beaucoup d'offrandes. Et dans cette église, vous comprendrez que ici on ne parle pas de la repentance. Puisqu'ils craignent, quand ils prêchent la repentance, les gens ne viendront pas. Les gens diront, écoutez, nous n'irons pas là-bas. Là-bas, ils condamnent les gens. Aujourd'hui, vous verrez le pasteur businessman, church. Donc, le fait qu'ils n'ont plus quelque chose à faire, ils se sont lancés dans de futilités. Je ne peux pas faire la citation d'une futilité. Non, on en a besoin parce que nous parlons que l'Église est une business actuellement. Qu'est-ce qui fait d'elle d'une business? On a besoin de ça. Je dirais ceci, madame. Mm-hmm. Aujourd'hui, un pasteur, quand il n'a pas encore quelque chose, il craint Dieu. Quand Dieu lui donne un apogée si meilleur, mm-hmm. il a atteint une stature de la vie, mm-hmm. l'argent qu'il a là, au lieu, il a beaucoup d'argent, au lieu de donner à ses fidèles, ceux qui vendent de pain, des arachides. Mm-hmm. Puisque c'est ces fidèles-là qui viennent avec le dîme. Mm-hmm. C'est ces fidèles-là qui viennent avec les offrandes. C'est ces fidèles-là qui viennent avec les aumônes. Mm-hmm. Mais lui, à son côté, il prend l'argent pour donner à une affaire purement païenne, à une affaire purement, je ne sais pas moi. Après, on dira non, le pasteur est patron, le pasteur est boss. Non, c'est fort regrettable. Là, vous soutenez pas Patrice. Non, je n'ai pas fait la citation d'une personne. Néanmoins, celui qui a l'intelligence, ouais. il pourra tout faire comprendre. Celui qui a le Saint-Esprit, il va décortiquer, il va énumérer de quoi s'agit-il dont on parle ici. Mmh. Et puis, je vais te donner un exemple. Mmh. Il y avait trois pasteurs de trois églises différentes. Mmh. Ce sont des Congolais. Mmh. Ils sont allés... on leur avait invité pour une campagne d'évangélisation mmh. en Angola. Ouais. Ils sont arrivés à la frontière, puisque quand vous arrivez à la frontière, on va vous demander l'identité, la carte, etc. Mmh. On les a demandé le carte. Ils se sont présentés là devant le militaire angolais. Alors, le militaire, on vit que non, ils étaient en règle. Avec des cartes pastorales. Oui, donc ils étaient vraiment des pasteurs tout confort. Alors, quand on les a posé cette question, mmh. le militaire leur avait demandé, Jésus-Christ est mort pour nous tous. Qui parmi vous pourra accepter de trouver la mort pour ce Jésus-là? On a passé un pasteur. Le pasteur a dit, pas question, je vais laisser ma femme avec mes enfants, sont petits. Je ne peux pas accepter de venir mourir ici. Jésus est mort pour nous tous. Le deuxième pasteur a dit, je n'ai pas besoin de mourir. Pas question. Le troisième pasteur, avec sa Bible, comme moi j'ai tenu la Bible comme ça, il s'est agenouillé, il a dit, le Seigneur était mort pour moi. J'accepte aujourd'hui devant Dieu que je laisse, je donne mon âme en faveur de mon Jésus-Christ, que vous me tuiez pour la gloire du Seigneur. Il s'est agenouillé avec sa Bible. Le militaire a dit, non, celui-ci c'est un vrai serviteur. On lui a dit non. Donc, on a fait... on l'a fait sillonner dans toutes les provinces de l'Angola. Les militaires ont compris, non, celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Toutes les deux personnes plutôt, ce sont des businessmen church. Vous comprenez? Donc, les personnes ont peur de la mort. Mm-hmm. Puisque un berger, n'est-ce pas comme Matthieu, Jean 10 nous dit, mm-hmm. le berger doit donner sa vie pour les brebis. Ouais. Et puis un mercenaire, il ne donne pas. Mm-hmm. Qui est mercenaire, qui est berger? Maintenant, qui êtes-vous, pasteur? Je suis berger, je suis esclave du Christ. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes berger? Parce que vous n'êtes pas allé à la frontière d'Angola et on ne vous a pas placé une arme devant vous. Madame, j'ai toujours dit, aujourd'hui, quand le militaire vient la nuit à l'église, ou là où nous sommes, ils disent, non, écoutez, nous voulons tuer tous ces gens ici pour qu'on vous laisse pasteur. Je dirais non, laissez tous ces fidèles, venez sur moi.
Est-ce que c'est que ce qui a dit que vous aurez des tribulations, mais des persécutions à ce genre, ou bien c'est vous-même par amour de Christ que vous vous décidez de donner votre vie? Non, écoutez madame, quand quelqu'un vient avec toute une menace, il veut tuer les gens, pour qu'un pasteur, après le carnage de tous ces gens-là, c'est le pasteur qui sera le responsable. C'est lui qui ira se déférer à la justice. Au lieu que j'ai à la justice, je dirais non. C'est moi-même qui suis un sacrifice devant le Seigneur. Alors au lieu de les tuer, tue-moi. Une chose, pasteur. Oui, madame. Il y a une réalité qui s'est passée dans la Bible. Un jour, David, le roi David a fait les dénombrements. Le Seigneur, cet acte n'a pas plu au Seigneur. Et Dieu, pour punir David, il a frappé son peuple. Je ne sais pas. C'est quoi la démarche de Dieu? Parce que c'était lui qui a commis cette grosse erreur. Il fallait qu'il meure. Parce que c'est lui. Et quiconque a péché sera privé de la gloire de Dieu. Mais c'était le peuple qui est victime. Et pourquoi pas vous? Peut-être la démarche du Seigneur a changé, ou bien c'est une autre forme de réalité qui s'est présente maintenant. Madame, je dirais, Dieu n'a jamais changé. Il était, il est, il sera. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Il le rabit. Ce sont les hommes qui changent. Ce sont des couleurs des gens qui changent au jour le lendemain. C'est nous qui changerons nos maisons aujourd'hui. Cette couleur a vieilli. Que je mette une autre couleur. Mais Dieu n'a jamais changé. Quand quelqu'un a commis une erreur, il sera auteur de ces erreurs dont il a commis. Et pourquoi Dieu a épargné David? Bon, quand Dieu a épargné David, il n'a pas épargné David. Puisqu'il a frappé ce peuple-là. Mais non, le peuple était victime, le peuple était innocent. Non, Dieu a voulu justement montrer à David que l'erreur dont tu as commis là, j'ai commencé d'abord à frapper sur ce peuple-ci. Si tu commettais encore, c'est la raison pour laquelle tu verras que non, pour te dire, quand Dieu a frappé ce peuple-là, plus tard, quand Nathan est venu auprès de David, il lui dira, il lui a donné un adage. Après quoi, Dieu a frappé David. Donc, Dieu a tué l'enfant de Bathsheba. Donc, Dieu voulait tout simplement dire à David, comme tu as commis une erreur, je n'ai pas besoin de te tuer aussitôt. Je veux que tu te répandes de ces péchés-là. C'est ça que Dieu avait fait peur à David en commençant de tuer David. Donc, l'éternel Dieu, dans sa gloire, dans sa position stable, il se décide de tuer le peuple pour garder son nom. Madame, Dieu peut nous tuer ici tous pour une seule gloire. Non, parlons de ces contextes, parce que vous dites qu'il y a des hommes de Dieu qui ont accepté de donner leur vie. Et ce sont des hommes de Dieu, ceux-là, et la seule personne qui a accepté de donner sa vie libéralement, et parce qu'il a trouvé, il doit plaire à Jésus, il doit rester dans la volonté de Dieu, être fidèle de Christ. Et c'est lui qui est épargné, c'est lui qui est innocent, c'est lui qui est saint. Mais les autres, quand ils ont dit non, ils ont désisté, ils sont d'office considérés de businessmen. Alors, ça prouve que Dieu n'est pas avec ceux-là. Bien, c'est un problème de foi, c'est un problème de connaissance, bien, c'est un problème de fidélité. Peut-être qu'il peut venir après. Madame, je dirais ceci, quand Dieu nous appelle, il nous donne tout. À la fois. Il nous donne tout, il nous montre, il dit non, voilà ce que tu dois, dont tu vas arriver à un stade, ce stade-là, tu auras. Pourquoi il a dit à Pierre, vous aurez des tribulations? Il a dit à tous ses apôtres, vous aurez des tribulations. Et il ne savait pas. Mais Pierre aussi a renié Jésus. Jésus ne l'avait pas tué. Non, après, il s'est repenti. Il s'est repenti. Mais oui, peut-être aussi ces hommes-là, bon, après avoir commis cet acte, ils vont revenir en eux-mêmes et diront non, excuse-nous, pardonne-nous, Seigneur. Madame, moi je dirais. Parce que non, parce que vous avez pris seulement le premier acte. C'est vrai, c'est une peur. Pierre aussi a vu le niveau, la grandeur de cette crucifixion. Il a dit non, en tout cas j'ai régné le Christ. Mais bien avant, le Seigneur l'avait prédit. Malgré cela, il a commis cette erreur. Mais après avoir fait cela, il s'est repenti. Qu'est-ce qui prouve que ces deux hommes-là ne se sont pas repentis et qu'ils sont directement bien demeurés en éternité dans leur erreur? Non. Après cela, c'est vrai qu'ils doivent se repentir. Mais il y a des histoires que nous appelons tic au tac. Quand vous allez chez un magicien, il y a des pratiques qu'on fait tic au tac. Tu avais peut-être un vase dans l'icoloana, aïe, abéti, bopa, abimisan, c'est tic au tac. Donc là, c'est un défi. Devant le défi, nous ne pouvons pas nous reculer. Pierre était devant un défi. Quand non, c'est toi, tu parles non, comme c'est madame, un, c'est madame, un défi, prenez monsieur. Proverbe chapitre 30, verset 30. Lion ne recule pas devant un problème.
Comment voulez-vous que nous, les chrétiens, nous, les pasteurs, nous reculions devant un problème? Moi, je n'ai pas dit que vous reculiez, mais la façon dont, le fait que vous appuyez pour dire que c'est le seul qui a été mis à part, c'est le seul qui a été considéré comme vrai serviteur. Et les autres sont passés pour défaut parce qu'ils avaient, comment dire, un doute en eux. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont des soldats pour Christ. C'est comme ça, je vous donne à l'instar de Pierre. Pierre aussi a régné Christ. Lui, d'ailleurs, qui a marché avec ses Jésus. Il a régné, c'était devant, au fait, c'était même devant une femme. C'était un défi pour lui. Il a régné. Madame. Et après, il s'est remis, il s'est réuni en lui-même pour dire que oui, ça peut arriver. Maintenant, quelle est la démarche, vous, étant comme de Dieu, comme vous avez eu, reçu cette révélation que l'Église est aujourd'hui est passée comme un business, qu'est-ce que vous entreprenez comme démarche pour remédier à cette situation? Qu'est-ce que vous faites pour soutenir les serviteurs de Dieu? Parce que la Bible a bien dit que le fort soutient le faible. Amen. Qu'est-ce que vous faites? Merci, madame. J'ai aimé cette question. La première de toutes choses, quand quelqu'un a compris que non, il avait faussé quelque part. C'est d'abord, il doit regretter de tout acte dont il avait commis au passé. Après avoir regretté, il doit demander le pardon. Après demander le pardon, le Seigneur est devenu maintenant de nouveau dans la vie de cette personne-là. Il n'est plus dans le business. Okay. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est une bonne question. Une bonne question, puis il a mérité une meilleure réponse. Oui. Je crois que les serviteurs de Dieu sont là en train de nous regarder. Je crois qu'ils vont pas mal réagir parce que c'est un problème qui touche directement à leur identité. Et je crois que parlons un peu de la dignité de l'Église. Merci. Nous entrons maintenant à la face de l'Église. Okay. Nous avons dit que notre thème se divise en deux, la partie business et la partie temple. Quand on parle un temple, le temple, c'est là où on part pour adorer. Ouais. Vous comprenez? Quand on parle d'un temple, le temple n'a pas une forme, le temple n'a pas une étendue, le temple n'a pas une largeur ou une longueur d'un espace. Quand bien même dans un salon, on peut transformer ça en temple. Maintenant, le temple est subdivisé en deux. Nous avons le temple de l'autre cas là, c'est-à-dire des petits là. Vous connaissez les petits là? Vous connaissez le petit dont je parle? Non, non, non. Le petit Satan. Il est petit. Il est petit. Puisque lui et moi, nous sommes des créatures. Bah oui, oui. Nous sommes des créatures. Il n'y a qu'un seul créateur incréé, c'est Dieu. Naturellement, il est plus fort que vous. Donc, tu as dit naturellement. Ouais. Mais moi, je suis dans celui qui est plus fort que lui. Donc, je suis plus fort que lui. D'accord. Oui, il est une nature. Ouais. Donc, une créature, l'ai-je Dieu. Donc, je disais tantôt là, l'Église est subdivisée en deux. Il y a l'église de cet homme-là, cette créature-là, et l'église de Dieu vivant. Ouais. Nous voulons aller d'abord à ce qui concerne le temple de cette créature. Si vous le permettrez, que je vous montre de petits signes. Dans le temple de cette créature-là, il y a ce que nous appelons le pentacle. Il y a aussi des pentacles. Merci, pasteur. Si j'ai bien compris, vous voulez dire que vous avez des signes, viennent de preuves qui attestent que actuellement il y a des églises qui sont dédiées au diable, qui adorent Satan. Oui. Ok, allez-y. Merci. Je veux que les caméramans prennent ces images et puis on va expliquer ce que ces images, une image à une autre. Ok. Donc on va expliquer toutes ces images-là. C'est bon? Oui, je vais maintenant expliquer. Vous voyez la première image ici. C'est aussi un drapeau des Israéliens. Donc, c'est un drapeau de l'Israël. C'est aussi pour les Illuminates. Quand vous voyez les Illuminates, ils utilisent ces signes ici. Pour le yoga aussi. Le yoga, ils appellent ça le pratika. Chez les yogistes, ils appellent ça le pratika. Insecte pernicieux. Oui. Et puis, pour Maïkari, ils appellent ça Omitama. Vous comprenez? Donc, quand vous allez dans une église, je veux bien préciser, pour Israël, c'est le flag. Le flag, c'est en anglais. En français, c'est les drapeaux. Donc, c'est les drapeaux d'une nation, dont Israël. Alors, il y a aussi ceux qui utilisent pour leur manœuvre satanique. Vous comprenez? Alors, ici... Le deuxième, la deuxième image ici, c'est la science chrétienne.
Vous comprenez, dans beaucoup d'églises, ils mettent ce signe ici. Alors, quand ils diront que non, c'est la croix de Jésus. Mais ces jours-là, quand on avait crucifié Jésus, il y avait trois croix. Laquelle croix dont ils ont mis là? Peut-être c'est la croix du voleur, les deux malfaiteurs là. Donc, ici, vous comprendrez que les occultistes, donc partout, dans toutes les parties, ils font ça, ils mettent ça. Donc, quoi? Ils mentent le fidèle, non? C'est pour la croix de Jésus. Or, c'est une science chrétienne. Et il y a aussi aujourd'hui beaucoup de pasteurs. S'il vous plaît, pasteur. Oui. Quand vous dites science chrétienne comme en loge, ou bien une chambre spirituelle mystique, ou bien c'est une dénomination de quelque chose qui est bizarre. Mais la science chrétienne, aujourd'hui, vous... que nous disons, nous sommes chrétiens. Mm. Quand vous parlez de science chrétienne, c'est pourquoi je dis, il faut préciser là-dessus. C'est ça que je précise. Okay. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs que vous voyez là. Ils font de 13 000, 14 000. Bon. Ils sont allés dans la science chrétienne. Donc ça prouve à suffisance que lorsqu'un homme de Dieu veut aller dans son apogée, il a besoin du diable. Bon, tout dépendant de la vision. Donc tout Dieu dépendant... ne pourra rien faire de grand dans Dieu la fait, d'ailleurs, la Bible dit, là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ouais. Et c'est Dieu a besoin de la popularité. Pour faire quoi avec? Donc Dieu n'a pas besoin de la popularité. Pour faire quoi avec? Et pourquoi Jésus-Christ a nourri 5000 personnes s'il n'avait pas besoin de la popularité? Mais c'est... Ils l'ont suivi parce qu'ils ont remarqué qu'il avait quelque chose de différent que les autres. Ces gens qui étaient venus manger. Ouais. Après, tout le monde avait créé la personne de Jésus-Christ. Je dirais non. J'ai dit par rapport à cette science chrétienne. Oui, c'est ça que j'ai donc, dit aussi. Dieu. Ouais. J'ai dit que Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Pourquoi? Mm-hmm. Puisque lui-même, c'est un créateur. Dieu a créé le système et il est dans même pas un système. Mm-hmm. Dieu n'a pas un système. Mm-hmm. Aujourd'hui, il peut te dire non. Écoutez, tu dois mettre ta main sur ce sable ici. Tu imposes au front d'une personne. La personne est guérie. Mais tu verras, c'est des sciences chrétiennes. Ils n'ont qu'une seule pratique. C'est quoi? Donc, peut-être aujourd'hui, comme Dieu, son Dieu lui avait révélé, tu mets la main dans un sable, tu pries pour une telle personne. Donc, cette pratique est restée au jour le jour. C'est ce qu'ils font là. La pratique est restée comme un rituel. Oui. Bon, je prends l'exemple. Je vous prête l'exemple, pasteur. Oui. L'usage de l'eau. L'usage de l'huile d'onction, peut-être. Non, peut-être il y a un pasteur qui passe à la télé, qui dit, non, si vous voulez être guéri, prenez un verre d'eau et mettez-le au-dessus de votre poste téléviseur et vous allez faire la prière avec moi. Et lorsqu'il finit sa prière, si quelqu'un est malade, il prend son verre d'eau, il boit, il guérit. Et l'autre, et peut-être dit, l'huile d'onction, il prend ses bouteilles d'huile qu'il ensorcelle peut-être et puis il les vend. Et lorsqu'il les vend, lorsque le pasteur prie, il vend, les fidèles l'appliquent, ils ont des résultats. Ça prouve à suffisance que ce genre de pratiques sont liées au diable. Madame, dans l'église de Dieu, on ne peut pas vendre une histoire. Oui, c'est ça que je dis. Vous voyez, quand vous dites des choses pareilles, vous devez nous donner des précisions. Parce que j'ai bien dit au commencement, aujourd'hui, l'église vit, une période tragique où la guerre de philosophie, la guerre d'idées jaillit et trahit l'église. Alors, étant homme de Dieu, par le fait que vous nous donniez ça, c'est une révélation qui vient de la part du Seigneur. Amen. Prouvez-nous à suffisance que cela n'est pas de Dieu et dites-nous quel est le remède qu'il faut. Mais c'est ça que je n'ai pas encore terminé. Terminé alors. Alors, je disais, la deuxième image, c'est pour la science chrétienne. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, quand ils partent ailleurs pour étudier, on leur initie par rapport à la science chrétienne. Donc, la science chrétienne n'est là qu'ils ne voient que la popularité. À la science chrétienne, ils ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose. Vous comprenez? Ici, à la science chrétienne, les gens sont tellement pressés. Ils veulent amasser aujourd'hui. Ils veulent amasser aujourd'hui pour qu'ils meurent demain. Or, celui qui a Dieu, il n'a pas besoin du temps ni l'espace. Puisque la Bible dit, celui qui est venu en Jésus, Jésus va la façonner, étant une personne, va la donner une forme autre. Puisque le fait que Jésus-Christ lui-même, le maître de l'église, il convenait que non, ici ils ont besoin de fidèles, ils ont besoin de quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais celui-ci de la science chrétienne, il ne tient pas compte de cela. Donc, il ne part qu'à là-bas pour le bien matériel, il ne part là-bas pour des voyages. Vous voyez? Donc, celui qui pratique ça, il a vision de matériel. Ce sont des pentacles,
de la science chrétienne. Please, pasteur. Oui. Maintenant, je crois que partant de ceci, vous voulez nous dire que c'est ces vents qui nous influencent à ces vents qu'on appelle New Age. Bon, je ne sais pas des New Age, si tu peux expliquer le peuple dit, il y en a tant d'autres qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne savent non, pas non, l'anglais. Non, 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 en fait, New Age, c'est un courant philosophique okay. et qui paraît comme un courant chrétien, une philosophie chrétienne, mais qui a des déviations. Par le fait que vous dites que non, c'est un pentacle chrétien, comme on l'a dit, mais qui a de répercussions sataniques. On dit aux serviteurs de Dieu de ne pas croire en Dieu, que Dieu ne pourra rien faire. Mmh. Mais ce qui est grave et ce qui est drôle, comment une personne qui a étudié, c'est vrai, on ne peut pas étudier la Bible, mais dis-moi, à la fois, nous devons ajouter la science. Mmh. Et lorsque nous ajoutons la science, c'est pour nous permettre, pas seulement d'avoir une maîtrise, parce que le Saint-Esprit qui nous donne la maîtrise, Amen. Mais dis-moi, d'être éclairé. Vous voyez, d'être éclairé. Et une personne qui est éclairée par le Saint-Esprit, il a la connaissance, il a la foi. Comment pourra-t-il aller toucher au fétiche? Comment pourra-t-il ne pas croire au Seigneur? Et pourquoi ne pas croire que Dieu est tout-puissant pour accomplir les miracles? Merci madame, j'ai aimé, malgré que vous avez fait la litanie, il y a le point que tu as touché là, la personne du Saint-Esprit. Donc, je suis derrière dans la joie. Comment? Je suis dans la joie. Tu as bien parlé. Puisque c'est lui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dira, non, là-bas, il ne faut pas aller. Ouais. Il ne faut pas manger là. Il ne faut pas dormir ici. Puisque le Saint-Esprit, c'est le patron de l'Église. Ouais. Le moment où nous sommes ici, sans le Saint-Esprit, on ne paie rien. Puisque quand vous lisez Jean chapitre 16, verset 16, j'écris qu'est-ce que Jésus a dit. Dans peu de temps, vous me verrez, dans peu de temps, vous ne me verrez point, parce que je vais au Père. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? N'est-ce pas, le rôle du Saint-Esprit est venu ici pour glorifier Jésus-Christ. C'est lui qui viendra pour convaincre les hommes du péché. Et puis, je vais te donner un exemple. Dieu le Père nous a créés. Jésus-Christ nous a appelés. Le Saint-Esprit nous envoie. Une église sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous allez faire? On va vous balloter. On va blaguer avec vous. Une petite question. Merci, madame. Vous croyez à la prière en langue, les Shandaraba, Shikaraba, Bababa? Madame, je crois, quand vous lisez la Bible, nous avons 9 dons. Ouais. Parmi les 9 dons de l'église, il y a ce que tu appelles là, les Shandaraba, c'est parler la langue. Ouais. Comment, moi qui suis charismatique, moi qui suis serviteur de Dieu, pourquoi nier? Et je dois comprendre. 1 Jean chapitre 4, verset 1er dit, vous devez prouver les esprits. Ouais. C'est alors que vous comprenez que non, ce qu'il parle là, il est dans le bon. Mais si tu parles comme ça, tu parles de ta propre intelligence, je saurai et je dirai, tais-toi au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Madame. Avez-vous déjà rencontré bien, vous êtes déjà invité dans une église et directement le Saint-Esprit vous dit que non, ici je ne suis pas là. Oui, il y a beaucoup d'églises. Vous êtes ici à Kinshasa. Oui, il y a beaucoup d'églises d'ailleurs. C'est vrai que vous ne pouvez pas citer des noms. Mais donnez-nous quand même, pas seulement un exemple, mais du moins des signes ou des critères qui attestent. Parce que les enfants ont besoin de ces choses pour rester dans le vrai. Mais malgré on n'a pas terminé. Non, non, les parce images. Que nous sommes. Le pire, c'est quoi? La science chrétienne et nous aveugle. Parce que par le fait qu'on dit que c'est chrétien. Les gens sont facilement influencés, oui. Le chrétien, on voit Christ dedans. Donc, il y a quelque chose de bon. Mais lorsque nous y allons, nous ne découvrons pas ce qui est de Christ. Ok. Je vais te donner des... Quand tu as demandé des exemples, le Saint-Esprit me souffle beaucoup d'exemples. Mais je t'ai énuméré seulement deux. Ouais. Pour comprendre que dans cette église, il n'y a pas la place du Saint-Esprit. Le pasteur, il vient d'abord en retard. Il vient en retard. Ah, il vient en retard. Donc, tous les fidèles sont là. Il vient... Il regarde de gauche à droite. Il voit d'abord si sa concubine est là. Si les gens qui ont beaucoup d'argent sont là. Il prend sa femme à la première position. Ouais. En dépassant même ses collaborateurs. Il dit, non, écoutez, celui qui a beaucoup d'argent, il le place du haut de du strade. Donc, privilège les partenaires. Oui, les partenaires. L'argent. Oui. Et puis, vous comprendrez la deuxième chose. Il ne parlera que de lui-même. C'est mon église. C'est moi qui suis le visionnaire. C'est moi qui suis le patron de la dite église. C'est moi. Or, la Bible même dit... Le Saint-Esprit va glorifier Christ. Même il y a un adage congolais qui dit... Comment voulez-vous un pasteur patron
Donc vous comprendrez, c'est le Saint-Esprit vous dira. Donc il n'y a pas à discuter. Merci, Pasteur. Merci. Nous poursuivons alors. Ok. Nous sommes au troisième signe. La troisième image. Ça, c'est pour les bouddhistes. Il y a aussi des certaines églises. Ils ont mis ces signes ici. Je dirais, Jésus-Christ n'a aucune image. Dans toute église où on dit non, ici on a dessiné l'image de Jésus, qui nous donnera la vraie image de Jésus-Christ? Or, la vraie image de Jésus-Christ, c'est son église. Quand on parle d'église, on ne voit pas l'église qui est construite en matériaux durables. L'église, c'est nous qui représentons l'église. Quand on parle d'église, c'est nous qui sommes la femme de l'époux. Quand on parle de l'époux, c'est bien entendu Jésus-Christ. Donc, Jésus n'a aucune couleur. Donc, ça, c'est pour les bouddhistes. Ça, vous voyez, le croix est dedans. C'est pour les Africains, c'est pour la magie noire. Ça, c'est pour, purement pour les Africains. Ça, c'est pratiquement pour les Africains. Qui prend la pauvreté. Donc, bon, je ne peux pas faire la... donc, je ne peux pas entrer en profondeur puisque je ne trouve aucun bénéfice, aucun gain pour entrer dans ces choses. Okay. Puisque moi, je sais, avec mon Jésus-Christ, je ne suis pas malheureux. Je suis un Richard. Amen. Ça, c'est pour le pauvre. Alors, ici, vous voyez, on a écrit ça de rouge, ce sont des bougies. Ça, c'est la Bible, ce que vous voyez là. On a écrit, c'est la magie blanche. Ou la rose quoi. La magie blanche. Donc, une telle personne, pour qu'il soit en communication avec ses esprits, il est question qu'il mette le bougie dans tout le coin pour que ses esprits la viennent. Or, nous qui avons Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de mettre la bougie même dans les noirs. Jésus viendra. Jésus n'a pas besoin d'un éclairage. Lui-même, c'est la lumière. Quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 8, 12. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Il n'a pas besoin de la lumière. Alors, toutes ces choses, vous ne pouvez pas être étonné. Dès Corinthiens chapitre 11, verset, quand vous lisez le verset 14 à 15, dit Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant. Donc, nous devons comprendre que nous avons une affaire avec un monde bizarre. Alors, pour comprendre toutes ces choses, il faudrait qu'il y ait le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu comprendras que non, ça c'est un business même. Ça c'est l'église de Dieu ou ça ce n'est pas l'église de Dieu. Donc, je parlais, l'église est subdivisée en deux parties. Ça c'était la première partie de l'église et le pentacle de l'église des occultistes. La deuxième église est celle dont nous nous faisons membres. L'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, là-bas, on prêche sur la repentance. Repentez-vous. Là-bas, on prêche sur l'avènement de Christ. Puisque Jésus-Christ revient très bientôt, comme Apocalypse chapitre 12, chapitre 22, verset 11 à 13 dit. Oya au salamabe, continue au salamabe. Oya iba baninga kotiro iba bato. Oya baninga poson kotiro oya baninga poson. Oya iba basa baninga kotiro iba basa baninga. Mais Jésus-Christ revient très bientôt pour donner à chacun selon ses œuvres, puisque à lui la rétribution et le salaire. Alors quelles sont tes œuvres? Est-ce que tes œuvres sont positives devant le Seigneur? Puisqu'il vient très bientôt. Azuya kalate. Le peuple de Dieu doit comprendre. Nakat église, là on prêche pas Jésus-Christ est Seigneur. Là on prêche pas sur la repentance. Sortez. Puisque je suis allé dans une église, c'est aussi une grande église de la place. Là où prie madame. Donc on a mis, dans l'église, on a mis les images du pasteur et sa femme. Dans quatre églises comme ça. Où est la place de Dieu? Pasteur, oui. Une question. Merci madame. La Bible dit que vous regardez un serviteur de Dieu comme ça. Maintenant, je donne l'exemple. Maintenant, si un homme de Dieu peut-être... le fidèle ont choisi de prendre sa photo et de les placer dans un calendrier. Ils vont les calendriers à l'église. Et puis, soudain, les fidèles achètent, ils les placent dans leur maison. Il y a quelqu'un qui témoigne. Oh, vous faites une femme peut-être qui a acheté un calendrier et les place dans sa chambre. Il y a des sorciers qui venaient l'envahir, qui venaient les déranger. Et un jour, subitement, la sorcière qui venait toutefois la sorcellerie dit « Depuis que tu as placé ces calendriers, je ne sais plus entrer dans ta chambre. » Le visage de cet homme s'enflamme et directement, ça me consume. Je ne parviens pas à me déguiser ou bien à agir en mal contre toi. Non, c'est la preuve suffisante, c'est une forme d'idolâtrie ou bien c'est une autre forme, bien si c'est la puissance de Dieu qui se dégage derrière cela. Merci madame, tu as parlé à deux nuances. Oui. La première nuance, nous parlons
au sein de l'église. Oui. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas une effigie. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas une icône. Mm-hmm. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas une image. Mm-hmm. Puisque Dieu est jaloux. Mm-hmm. Dieu n'a jamais voulu partager son trône avec qui que ce soit. Mm-hmm. Il ne partage pas. Ouais. Si tu as mis la photo de ton pasteur chez toi à la maison, c'est par rapport à la foi. Tu dis que non, j'ai la foi que je mette la photo de mon pasteur. Mm-hmm. Eh bien, quand ce pasteur-là est en connexion et en parfaite collaboration avec Jésus, si le miracle peut s'opérer, mm-hmm. gloire à Dieu. Mm-hmm. Mais à l'église de Dieu, c'est que je suis en train de marteler. Pas question à l'église. À la maison, si tu mets, tu es convaincu et tout, ça se fait par la conviction. Mais à l'église de Dieu, là où Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, si on prenait votre photo, pasteur, un de vos fidèles prend ta photo et la place peut-être dans son salon, dans sa chambre, et directement, il constate qu'il y a une présence de Dieu qui s'installe dans sa maison. C'est une idolâtrie. J'ai dit, à quand ça viendrait comme une idolâtrie. Mm-hmm. Quand, devant, chaque fois, tu pars sur cette photo-là, tu pries. Ça, c'est évidemment, noir c'est blanc, c'est une idolâtrie. Mm-hmm. Noir c'est blanc. On adore que Dieu et moi-même, étant pasteur, je ne peux pas accepter. Si un jour, j'apprenais qu'une personne, qu'un fidèle, il prend ma photo, oui. il met ça pour un temps, mm-hmm. je lui dirais, tu as commis une erreur. Je suis, madame, j'ai toujours été prudent. Quand même Dieu m'envoie, oh, je suis allé prier, mm-hmm. quelqu'un guérit. Il me dit, pasteur, merci. J'ai dit, non, attention. Il dit, merci au Seigneur. Mm-hmm. Puisque moi, je suis un esclave. La Bible a dit, je n'honore ce qui m'honore. Bien sûr. Mm. Bien sûr que oui. Je suis un esclave. Je ne peux pas prendre la gloire de mon Jésus. Sinon, Jésus n'a jamais partagé. Je ne connais pas, mais il te remercie. Comme non, le sale lépreux avant qui retourna à Jésus pour dire que non, merci Seigneur parce que je suis avant de mal. Donc, de faire le remerciement, qui dit merci au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, à travers toi qu'on a vu ton serviteur. Moi je viendrai à l'église. Et je vais vous voir viendrez, comment vous ça viendrez, marche. Vous viendrez. Donc vous allez voir. C'est d'ailleurs une petite intercession. C'est un petit groupe là. Vous venez. Donc je dirais non, maintenant on prie. Les jours là, quand le Seigneur sera au rendez-vous, eh ben, vous en je vais sentir. Donc nous ne forçons rien. Ah, mon pasteur, une chose encore. Oui. Vous avez parlé de la science chrétienne. Je ne sais pas si tu es satisfaite de toutes les questions que tu bon, poses. Apparemment, je peux dire. Quand tu dis apparemment, on suppose que non. Non, tu n'es pas persuadé. C'est bon. Ah, okay. Merci, homme de Dieu. Mais sauf qu'on a besoin des réactions des autres serviteurs de Dieu parce qu'ils vont commenter là-dessus. Oui. Ils vont nous dire ce qu'ils ont pensé de vos réactions aussi. Alors, une chose. Ouais. Maintenant, quand dans une église plutôt, on sait voir qu'il y a des miracles, en fait, des miracles répétitifs de la même forme, ou soit le miracle pleuve comme la neige, comme la pluie. Mm. Et là, on dira aussi qu'il a interdit de faire les miracles le jour du sabbat parce que ce n'est plus le temps du sabbat. Ou bien c'est Dieu qui a prévu de bénir ses peuples, son peuple dans un temps peut-être bien donné. Ou bien c'est interdit que le miracle se fasse chaque jour. Madame, la Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 16, dit, vous verrez de nouveau le miracle, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mm-hmm. C'est Marc 16, mm-hmm. Luc chapitre 10, verset 19. Ouais. Le miracle n'est pas mauvais. Oui. Le miracle est probant, sûr et certain. Ouais. Mais, quand Jésus-Christ avait opéré le miracle, il n'y avait pas seulement la monotonie. Mm-hmm. Aujourd'hui, il peut prendre de la boue, il met ça dans tes yeux, tu vois, demain il te dit ta foi t'a sauvé. Mm-hmm. Les miracles doivent varier. Et puis, le Saint-Esprit vous dira. Maintenant, quand nous remarquons un genre de miracle répétitif, cela prouve que là, c'est le Dieu manque n'est plus là. Là, le manque du Saint-Esprit. C'est vrai. Non, je dirais. Bon, au fait, c'est le pasteur Paulin Moussadi là qui a parlé et c'est lui-même qui va se défendre comme Gédéon, comme le père de Gédéon dit que Baal est un dieu qui se défend si Jéhovah Baal est un dieu. Alors moi je crois que c'est vraiment un vaste message, mais je crois que par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fera grâce. Pasteur, un mot de la fin pour une minute. Mon mot de la fin, c'est pas le mot de la fin puisque je suis encore en vie. Pour clôturer aujourd'hui, c'est que je dirais que oui. tous les enfants de Dieu qui nous suivent doivent être connectés. On ne peut pas être connecté avec une personne. On doit peut-être être connecté avec le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas. Donc, le Saint-Esprit ouvrira beaucoup d'horizons en toi. Mm-hmm. Donc, c'est que j'invite beaucoup d'enfants de Dieu qui aient le Saint-Esprit. Ils comprendront beaucoup d'histoires.
Donc je tiens à remercier tous les enfants de Dieu. Je remercie Papa Blaise Manzambe, Maman Lise, tous ses enfants. Je remercie tous les chrétiens craignant Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Donc tous ces, je remercie le berger Gustave, je remercie Papa Jean Moufouta, je remercie celle que j'aime bien à moi, Maman Adeneige Mujinga. Je la remercie, que Dieu vous bénisse. Votre numéro de téléphone, comment on peut vous joindre? Notre numéro de téléphone, 09 99 56 76 97. 09 99 56 76 97, soit 085 010 75 42, 085 010 75 42. Email, c'est paulinmoussadila@gmail.com. Facebook, c'est paulinmoussadila, comme les mots très simples, esclaves du Christ. Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs qui avez participé à ces débats. Je crois que vous avez été bénis et je crois que ce n'est pas une dernière. Le Seigneur nous fera encore grâce de nous offrir une autre opportunité. Nous remercions l'assistance du berger Gustave Lutumba, l'assistance de tous nos amis de Kasarema Kinshasa. Et c'est comme ça que je peux remercier de près et de nom. Je vois à la caméra, c'était pour une nouvelle fois Yolande Mavakala. J'ai vu David Matouk à la caméra, Cédric Ngongo, le designer, le superlatif, l'ingénieur David et notre maman, la sœur Nanette Nzongo qui est là, qui nous fait du bien. Au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Pour nous joindre, pour vos réactions, écrivez-nous sur notre compte Facebook Les Fans de Jésus ou soit sur mon compte Facebook Flore Makwala. Au numéro de téléphone 00243 89 53 059 95. Je remercie mon PDG, le grand visionnaire Blaise Manzambi et Maman Lise Manzambi et tous nos amis de l'Europe, des États-Unis et de l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien, au revoir.